et bienvenue à Qu'est-ce que c'est ça? L'émission qui vous démontre et qui vous explique toutes sortes d'objets. Ce soir, nous recevons comme premier chroniqueur Mathieu Saint-Pierre qui vient nous parler de sa table de cuisson à induction de Salton. Donc bonsoir Mathieu, alors qu'est-ce que c'est ça? Donc bonsoir, ça c'est une table de cuisson par induction. Et c'est quoi qui fait la différence entre une table de cuisson comme celle-là et une toute autre? Une table de cuisson par induction, c'est que ça cuit vers induction. C'est le nom le dit. L'induction, c'est que là, ça va faire de la chaleur seulement où c'est qu'on va mettre une poêle en aluminium ou en fer. OK. Et c'est quoi la cuisson par induction? Hein? C'est que c'est magnétique. Parce que pour savoir si ta poêle est bonne, tu mets un aimant dessus. L'aimant va coller. En aluminium en fer, ça va coller. Il va y avoir de la chaleur vraiment juste où c'est qu'il va y avoir ta poêle. Tu peux mettre tes doigts juste à côté. Donc, je peux les mettre ici, là. Ouais, mettons ta poêle, elle arrive là, tu mets tes doigts ici, ça sera pas chaud. Peut-être un petit peu, mais tu te brûleras jamais. Wow, c'est fou. Donc, la cuisson par induction, il faut des poêles spéciales, comme tu viens de le mentionner. Donc, il faut qu'on s'équipe en poêle aussi. C'est un aimant qui colle dessus pour le savoir. Oui. Puis sinon, l'autre plaque, ça fonctionne pas. Ça marchera pas. OK. C'est quoi les avantages de la cuisson par induction? Les avantages, c'est plus sécuritaire, on ne se brûle pas, c'est rapide, ça chauffe beaucoup. Une autre question de sécurité aussi, c'est si tu enlèves la poêle, ça l'arrête de chauffer. Fait que ça va être encore chaud si tu mets ta main tout de suite dessus, mais ça l'arrête de produire de la chaleur. Donc. Ouais. Après une couple de minutes, là, ça va être froid. Dès que tu la mets, ça chauffe, dès que tu l'enlèves, ça arrête de chauffer. Oui. Hey, c'est magique. Puis pourquoi c'est plus sécuritaire? Justement, parce que tu peux mettre ta main partout, tu te brûleras pas. Puis aussi, les aliments colleront pas. Vu que c'est pas chaud tout le tour, s'il y a quelque chose qui tombe, ça va juste rester là. Ça cuira pas dessus. T'es pas en train de te battre avec à essayer de décoller des aliments sans arrêt, là. Oh, ça fait 2 ans que je l'ai jamais lavé. Oh, wow! Puis trop de même! Ouais. OK. J'ai entendu dire que c'était beaucoup plus écologique. En quoi une table de cuisson par induction, c'est plus écologique? C'est ça. Au lieu d'être comme un poêle normal qui chauffe toute la surface, tout le tour du poêle qui en perd tout le tour. Là, c'est vraiment juste sur le coin concentré du cycle à la poêle. OK. Puis au niveau puissance, ça ressemble à quoi? Tu sais, c'est beaucoup plus petit, on s'entend, ça se branche dans le mur, hein? Oui, c'est petit, c'est portable et ça a des chaleurs allant de 175 degrés Fahrenheit à 425. Donc, c'est comme, ça chauffe, c'est... Oui, c'est comme un four normal dans toutes les maisons. Juste portatif. Wow, c'est génial! Est-ce que la chaleur est assez bien répartie? Oui, c'est très bien réparti. Tout uniforme, partout, égal. OK. En gros, là, t'es-tu satisfait de ta table de cuisson? Oui, je suis très satisfait. J'ai jamais eu de problème avec. Comme je disais, ça fait 2 ans que je l'ai. Aucun problème. Wow. Dans quelles circonstances on pourrait vouloir avoir une table comme celle-là? Bien, comme moi qui vis en résidence, je trouve que c'est très utile. J'ai pas besoin d'aller dans la cuisine commune avec tout mon stock qui est là-bas. Ouais. Je peux rester dans ma chambre, relax, en boxeur, puis me faire de la bouffe. En camping, au chalet, j'imagine c'est utile aussi. Oui, toujours. Est-ce que ça se retrouve dans n'importe quel magasin de cuisine? Non, ben je sais pas. Moi, je l'ai acheté au Pro du rasoir pour environ 70 $. Wow, c'est vraiment un bon achat. Donc, une belle table de cuisson qui cuit facilement. C'est assez simple à trouver dans les magasins de cuisine, environ à 70 $. Donc, c'est tout ce que nous avions pour ce soir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Mathieu Daou qui va venir nous chroniquer à propos de son skateboard. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour Qu'est-ce que c'est ça?
Bonsoir, bienvenue à l'émission Qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Dan Cartier qui va nous parler de sa caméra Nikon D5100. Si vous avez toujours rêvé de prendre des belles photos, c'est maintenant possible. Bonsoir, Dan Nikon. Bonsoir, Mathieu. Alors, décrivez-nous un peu la caméra Nikon D5100. La caméra Nikon D5100, c'est une vraiment bonne caméra pour la photographie. Nikon, c'est une compagnie, c'est une grosse compagnie qui font beaucoup de modèles, différentes séries de caméras. Et puis, vraiment, ce qu'il y a de spécial avec ce modèle-ci, c'est que ça a un capteur CMOS et puis ça a aussi XP2 qui permet d'avoir des teintes plus riches dans tes photos. Alors, c'est vraiment quelque chose qui peut être recherché en photographie. Alors, c'est vraiment un bon modèle. Et quelles sont les opérations de base sur cette caméra? OK, bien, disons qu'on commencerait avec la base. Là. En premier, ça serait la petite roulette ici, tout ce que tu as le on-off. Tu fais juste tourner la petite roulette. Et puis, sur cette roulette, tu as un petit bouton qui est silver. Et puis, ça serait utilisé, tu pèses dessus pour prendre ta photo. Aussi, j'ai oublié de mentionner que cette caméra ici, elle peut filmer en HD. Alors, pour filmer en HD, il faudrait que tu pèses sur le petit bouton rouge ici. Et puis ensuite, cette roulette ici, c'est utilisé pour choisir les modes que tu veux prendre tes photos dedans. Alors, toutes les autres ici sont prédéterminées. Et puis, disons que tu serais un petit peu plus à l'aise à choisir tes settings. Tu irais sur Aperture ou Manual. Et puis, c'est ça. Ensuite, quand on tourne la caméra de bord ici, tu as un petit écran qui s'ouvre et puis qui tourne. Et puis, quand tu mets ta caméra « on », tu as de l'information qui apparaît. Et puis vraiment ici, tu as tes flèches pour naviguer d'en haut et en bas dans tes photos. Tu as une petite loupe zoom in, zoom out pour zoomer in, pas pour la lentille, mais pour regarder tes photos dans l'écran, c'est ça. Et puis en dessous, quand on flippe la caméra, c'est ici, c'est où est-ce que tu mettrais la batterie. Et puis sur le bord, ce serait où est-ce que tu mettrais ta carte. Mémoire, parce que dans ce type de modèle de caméra, tu peux pas enregistrer aucune photo. Il n'y a pas de mémoire built-in, comme on dirait. Faut que tu aies une carte. Ça, c'est vraiment ça, la base. Là. Oui. Quel est son prix? En général, c'est 799 $ sans la lentille. Donc, juste comme la base, vraiment. Et puis, avec la lentille, c'est 899. Puis ça, c'est une lentille de 18 à 55 mm. Et puis ça, c'était en 2011. À cette heure, ça fait déjà une couple d'années qu'elle est sortie. Alors, tu peux probablement la retrouver à différents magasins indépendants, là, mais 400-500 $ probablement encore. Oui. Donc, les lentilles 18 à 55 mm, ce sont les lentilles que tu as là ici? Celle-ci, c'est une lentille qu'il y a dessus. Là. C'est une lentille de 50 mm. Celle-ci, c'est la lentille de 18 à 55 qui vient avec. Et puis, celle-ci, c'est une lentille 70 à 300 mm. Alors, ça va beaucoup plus loin. C'est ça, un plus gros zoom. Et comment on change les lentilles? OK. Bien, pour changer une lentille, c'est bien facile. Qu'est-ce que tu as à faire ici? C'est tu pèses le piton. Tu tournes à gauche, jusqu'à temps que tes deux points blancs s'alignent, tu l'enlèves. Et puis, pour la remettre, tu alignes tes deux points blancs, et puis tu tournes jusqu'à temps que tu entends un clic, puis là, bien, ta lentille est sécure, puis tu peux prendre des photos. C'est quand même vraiment très simple. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être ajoutés à la caméra? Oui, tu peux ajouter un flash sur le top ici, et puis à cause qu'elle peut filmer en HD, tu peux aussi ajouter un micro. Pour enregistrer les sons et puis, tu sais, changer les lentilles. Puis c'est vraiment ça. C'est ça, vraiment la base. Et puis, oui. OK. Donc, c'est très intéressant. Ouais. C'est maintenant fini pour l'émission. Okay. Maintenant, nous sommes tous des experts de la caméra D5100. C'est ça. Qui est une caméra très chère, mais qui a l'air d'être une haute qualité. On va tous en acheter une pour Noël. Merci. Bonne fin de soirée. Thank you.
Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, nous avons une très belle émission avec une belle découverte d'objets. Nous sommes très chanceux d'avoir avec nous Sébastien Christensen qui nous parlera de son PG48. Alors, bonjour Sébastien, ça va bien? Oui, ça va bien. Très contente de t'avoir à l'émission. Alors, ton PG48, évidemment, c'est un micro. Depuis comment longtemps l'as-tu? Ça fait quasiment un an que je l'ai parce que là, j'ai eu au mois de décembre, c'était à Noël que j'ai eu, mais en 2013. Mais là, maintenant, on est en 2013, pas en 2013, excusez-moi. 2014. Ouais, 2014, mais au mois de décembre, mais sauf qu'on s'approche, si ça a été, ça a été mieux si, on serait, si ce serait vraiment au jour où est-ce que j'ai eu, mais sauf que là, ça va bientôt faire un an. Mm-hmm. Puis c'est vraiment, c'est pas juste un microphone tout simple pour moi, parce que c'est aussi un objet qui est comme un, quelque chose qui me rappelle la première fois où est-ce que j'ai eu de l'équipement pour mon studio chez moi. Mm-hmm. Parce que c'est pas seulement ça que j'utilise pour mon studio. Il y a aussi, j'ai reçu d'autres objets comme un mixing board. Puis il y a mon père qui m'a passé ses speakers. C'était des, je pense, c'est des Bose speakers. Okay. Puis un amplificateur qui était pour que je puisse allumer les speakers. C'était vraiment bon, mais là, maintenant, ça commence à être remplacé par quelque chose de plus nouveau. Puis, ouais, c'est ça. Alors, ton micro, est-ce que tu dirais que c'est un bon micro? Est-ce que ça fonctionne bien? Ouais, mais ça dépend comment je l'utilise parce que ça dépend des branchements. Parce okay. que si tu n'as pas de mixing board ou des fils comme des XLR qu'on le plug dessus, mm-hmm. il ne marchera pas parce que c'est le seul moyen pour qu'il puisse être plugué. D'abord, avant, je n'utilisais pas vraiment avec ma console de son, et une petite console de son, là, pas une très grosse. Comme avant, j'utilisais dans un direct box. Mm-hmm. Qui a appelé un, je pense c'est un Fast Track C400, mais il me semble qu'il y en a d'autres comme ça qui sont fabriqués par des compagnies. Okay. Sauf que avant je pluguais dans une partie qui commençait avec un phone plug puis finissait par un XLR femelle puis ensuite ensuite quand je le pluguais et que j'utilisais pour enregistrer, c'est comme j'entendais presque rien. Okay. C'était probablement à cause du gain qui manquait sur le direct box. Mais ensuite, quand j'ai réussi à le manipuler sur le mixing board, ça marchait beaucoup mieux. Fait que ça dépend juste comment on l'installe. Okay. Puis il y a besoin aussi d'un pop filter parce que sinon, je vais juste entendre plein de crachements, même si je ne sais même pas si c'est un mot crachement. Mais même si je m'éloigne ou que je le mets comme à côté, comme ici, c'est quand même pas bon. OK. Parce que, C'est-tu un micro qui coûte cher? C'est-tu dispendieux? Ça dépend, mais la majorité du temps, comme le prix normal, ce serait comme 40$. Mais moi, je dis que c'est un bon deal parce que ce microphone-là, si tu l'utilises bien, il marche vraiment bien. Mm-hmm. Puis il y en a que c'est moins cher parce qu'il est usé. Puis il y en a que... Il y en a un, j'ai vu un prix qui était comme 50$, puis qui était usé, si je me rappelle. C'est là où est-ce que je me suis dit, ça, c'est pas un bon prix. OK. Bien, très intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, où on se rencontre avec Sarah Saint-Jean, qui nous montrera son métronome. Alors, n'oubliez pas de venir voir qu'est-ce que c'est ça.
Salut et bienvenue dans Qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, nous allons présenter une personne qui va présenter un objet. On va essayer de ne pas aller plus loin dans ce cycle-là. Et je ne vais pas essayer de parler scientifique non plus. En tout cas, aujourd'hui, cette personne-là qui va nous présenter un objet, ça s'appelle Sarah Saint-Jean. Salut, Sarah. Salut, ça va? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Oui, Sarah, peux-tu dire c'est quoi le nom de l'objet que tu vas nous présenter? Oui, moi j'ai choisi l'objet, c'est un métronome de la compagnie Seiko, puis celle-là, il est électronique. J'espère juste que cette compagnie Seiko n'est pas exactement remplie de Seiko. Non, faudrait pas, ce serait pas une bonne chose. Non, non c'est quand même, probablement que tu n'aurais pas cet objet entre tes mains. Non. Ouais, et moi non plus, je ne serais pas capable de voir ça s'ils sont vraiment psycho, mais en tout cas, peux-tu nous dire à quoi il sert exactement, ce métronome-là? Oui, dans le fond, pour les gens qui ne connaissent vraiment pas ça, c'est la base de le calcul d'un tempo. Ouais, j'ai entendu que maintenant, ce n'est pas exactement la seule affaire qu'on peut utiliser, parce que maintenant, avec tout ce qu'on a sur les ordinateurs, avec la technologie qui évolue sur l'ordinateur, c'est comme tu peux faire quelque chose comme par exemple quantiser, comme par exemple tu enregistres, essayer de respecter le tempo, puis si tu veux que ce soit le plus parfait possible, il faut juste que tu utilises quantize, mais des fois c'est pas parfait cette affaire de quantize. Mais dans les vieux temps, il fallait juste utiliser un métronome, puis essayer d'être le plus parfait possible. Oui, dans le fond, c'est ça, au début ils remplaçaient ça par le batteur, le drummer qu'il appelle. Oui. Ouais. Mais là ça a changé un peu avec les temps, la technologie, puis tout ça. Même le drummer devait respecter le beat. Oui. Tu peux-tu expliquer à quoi ça sert de faire un calcul de tempo? Oui, dans le fond, chez les musiciens, ça va vraiment aider à calculer à la bonne seconde, savoir quelle note ou quel bâton de note frapper à quel temps. Fait que tu, dans le fond, avec ça ici, ça te donne un exemple de savoir quand faire la musique. Y a-t-il un sort de certains styles de musique en particulier quand on utilise ce métronome-là? Pas nécessairement, non. Je te dirais que des pianistes ou batteurs ou saxophonistes, c'est vraiment utile à beaucoup de gens qui cherchent vraiment à savoir comment bien faire la musique à un certain temps. Fait que c'est vraiment général. Ouais, il y en a qui le font à un tempo lent, ça c'est quand il y a moins de notes, mais il y en a qui le font rapide. Mm-hmm. La rapidité, c'est plus comme pour le métal, puis tout ça. Puis les affaires lents, c'est comme le classique. Mais il semble qu'il y en a du classique qui peut être rapide. Oui, ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais ça se fait, oui. Et puis aussi des mélanges de styles, ce qui, comme par exemple, tu prends un tempo, là, puis tu divises, puis tout ça. Tu peux-tu dire à quoi ils servent les chiffres dans le cercle? Oui, dans le fond, c'est ça qui va aider à choisir quelle vitesse le tempo va être joué. Tu peux le mettre du plus vite au vraiment plus lent. C'est toi qui choisis, tout dépendant de ce que tu recherches à jouer. Ouais. Est-ce qu'il y a des avantages ou des avantages en utilisant un métronome? Ça dépend pour qui. C'est sûr que dans tout, il y en a, là, mais l'avantage, je te dirais, c'est vraiment ça va t'aider à être plus discipliné. Puis sinon, le désavantage, c'est que tu peux, à longue, te fier peut-être trop à ça, puis pas naturellement avoir un rythme. OK, bien, c'est tout ce qu'on a. Fait que restez les notes si vous voulez voir Dominique Murray avec son baseball bat pendant que moi, je vais aller me suicider dans mon trailer. Bye-bye!
Bonjour et bienvenue à l'émission « Qu'est-ce que c'est ça? » Aujourd'hui, avec nous, on a une invitée très spéciale, Dominique Murray. Il est venu en studio avec nous pour nous parler de son objet choisi, un bat de baseball. Bonjour Dominique. Bonjour Sarah. Ça va bien? Toujours. Oui. Fait que, qu'est-ce que c'est ça? Alors aujourd'hui, je vous ai amené le bâton de baseball JB19, c'est le nom du modèle. C'était conçu par Marucci, la compagnie de bâtons de baseball, très fiable et très populaire aux États-Unis. C'est une marque de baseball, de bâton de baseball, pardonnez-moi, que les gens aiment beaucoup pour quelques raisons. Je vais les nommer. C'est des bâtons qui sont très durables. Alors, les bâtons Marucci durent longtemps, ne cassent pas facilement. Ce sont des bâtons que les gens aiment beaucoup utiliser pour ces raisons. Une autre raison que j'aime beaucoup le bâton, on appelle ça du pop dans le bâton. Quand on frappe la balle, on dit qu'on a un peu plus de pop si la balle va un peu plus loin qu'à l'habitude. Alors, le pop, on appelle ça du pop. Non, on le sent. On le sent quand on frappe la balle. Ça fait un beau clock, puis ça fait un beau bruit, puis c'est beau à entendre et ça fait du bien aux mains aussi quand on frappe. Alors, c'est un bâton que j'aime beaucoup pour ces raisons-ci. OK. Puis je vois, il y a du noir ici. C'est quoi ça exactement? Ça, on appelle ça du pointer. Alors ça, c'est lorsqu'on arrive au bâton, avant d'aller au bâton, on peut juste frotter nos mains sur la substance qu'on a ici à l'écran. On peut le voir. On fait juste frotter nos mains comme ça et à force que le bâton il repose à la chaleur pendant toute la journée, ça ici en ce moment c'est très dur, tu peux le toucher, c'est très dur, on le sent même pas, ça, ça s'enlève pas. Okay. Mais à force qu'il soit chaud, comme si on le réchauffe comme ça ou lorsqu'il est au soleil toute la journée, ça s'enlève très facilement, ça devient même quasiment liquide. Alors on le met sur nos mains et après ça, ça nous donne du meilleur grip quand on va au bâton. Alors il y a plusieurs joueurs qui aiment ça, il y a plusieurs joueurs qui détestent ça aussi. Ça dépend des goûts dans le fond. Exactement, oui, question okay. de... Puis je vois que tu as plein de marques ici. C'est-tu toutes des balles que tu as frappées? C'est des balles, mais aussi quand que je dépose le bâton. Je peux vous raconter une petite anecdote. La saison passée, j'ai été retiré sur des prises. Alors, j'ai ramassé mon bâton. J'étais vraiment pas content. Je l'ai lancé contre la clôture. On voit ici, il y a une belle marque de clôture. C'est assez creux quand même. Okay. Ça n'affecte pas le bâton aucunement. C'est juste une marque. Quand j'ai lancé mon bâton contre la clôture... Parfois, je suis mauvais perdant, Sarah, je vais être honnête. Alors, ça arrive à tout le monde. C'est ça, oui. Puis ça pèse combien environ, si tu l'ouvres? Le bâton, c'est un des bâtons les plus grands, un des plus grands modèles que Marucci font. Ils font jusqu'à des 34. Alors ça, c'est la longueur du bâton, c'est sûr. Alors le plus long que le bâton est, naturellement, le plus pesant qu'il va l'être. Alors les personnes qui sont plus grandes et qui sont plus fortes, on suggère d'avoir des bâtons plus grands et plus pesants. Alors moi, j'ai choisi le modèle, le 33. Alors ça, c'est un 33 pouces. Alors c'est quand même un des plus grands modèles que Marucci font. Je mesure 6 pieds 3, alors c'est quand même, ça fait quand même beaucoup de sens que j'ai un grand bâton. Oui. Puis le trou qui est ici, ça aurait quoi? Le trou ici au bout du bâton, alors on peut le voir à la caméra. Le trou ici, il y a des trous comme ça à l'intérieur de tous les bâtons de bois. C'est juste pour avoir plus de pop. Alors au bout ici, ça l'aide à avoir plus de pop dans le bâton, comme on en parlait tantôt. Alors, lorsqu'on frappe la balle, vraiment, on appelle ça le sweet spot du bâton de baseball. C'est juste ici. Alors, c'est de cette zone ici à cette zone ici. On ne veut pas frapper là parce que dès qu'on frappe là, on a vu un trou à l'intérieur. Alors, ça casse le bâton facilement. Ça a bien beau être un Marucci, ça va quand même casser. C'est okay. Des bâtons fragiles, pareil. OK. Ah, ben c'est le fun. Bon, ben c'est tout les questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je vous reparle la fin de semaine prochaine. Restez avec nous. Et on va avoir un autre invité très spécial.
Bonsoir et bienvenue à Qu'est-ce que c'est ça? Ce soir, Sébastien Gauvin-Lantier nous montre qu'est-ce que c'est qu'il a amené à l'émission avec son laptop portatif. Alors, bonsoir Sébastien. Bonsoir Dominique. Alors, explique-nous qu'est-ce que tu nous as amené. Quelle est la marque de ton laptop? C'est un laptop Asus ROG. Donc, c'est un laptop Republic of Gamers pour les amateurs de jeux vidéo. OK. Est-ce que c'est un ordinateur performant? Tu dis que c'est pour les amateurs de jeux vidéo. Oui, très performant, comme j'ai dit, oui. Donc, il y a un processeur Intel Core 7. Donc, vraiment performant avec une carte vidéo de 770 GTX. Oh. Avec deux fans en arrière, avec 12 GB de RAM, c'est vraiment bon. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il t'a coûté cher, ton laptop? Tu mentionnes toutes les affaires qu'il y a dessus. Ça a dû coûter cher? Ça a coûté 1 500. Ah, wow. Donc, mais je trouve que c'est quand même raisonnable pour un laptop pour jouer à des jeux vidéo. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. J'ai fait beaucoup de recherches avant de l'acheter. Mm-hmm. Puis, c'est le meilleur que j'ai trouvé. OK. Alors, rapport qualité-prix, est-ce que tu es satisfait avec la qualité face à ton prix qui est quand même comme je viens de dire, gros? C'est ça. J'ai beaucoup comparé qualité-prix. Donc, c'est un laptop qui est quand même très performant pour le prix. Oui, OK. Beaucoup performant. Est-ce qu'il y a des avantages et des désavantages à ton laptop? Des choses que peut-être qui... Bien, l'avantage premier que j'aime beaucoup, c'est les deux fans en arrière. Oui. Parce que souvent, le premier défaut des laptops, c'est qu'ils chauffent en dessous. Mm-hmm. Donc, les deux fans sont à l'arrière du laptop. Un pour le GPU puis un pour le CPU. OK. Donc, c'est quand même bon pour ça. Le désavantage que j'aime pas avec ce laptop-là, c'est le touchpad en avant. Parce que des fois, il n'est pas précis quand tu veux zoomer, quand c'est pas toujours à la perfection. OK, oui. Alors, s'il y avait une chose à changer sur ton laptop, Sébastien, qu'est-ce que tu dirais que ce serait? Ça serait le touchpad. Ça serait le touchpad? Oui, définitivement. Ouais, OK. Est-ce que vous recommandez ce laptop aux gens qui regardent à la maison? Est-ce que c'est un laptop que vous recommanderiez oui, à tout le monde? Oui, c'est un laptop que je recommande parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment bon pour le prix. Puis, ça dépend toujours de ce que tu veux faire, c'est sûr, avec un laptop. Donc, si tu veux un laptop pour jouer à des jeux vidéo, c'est sûr que tu vas aller plus en haut de 1 500, genre de 1 000 à 2 000 Donc, c'est bingo dans le milieu. Fait que c'est sûr que c'est bon là, pour le prix. Puis, si tu veux un laptop pour jouer à des jeux vidéo, je le recommande. Puis, c'est ça. OK. Toi, Sébastien, on sait tous que tu fais de la musique. Est-ce que ce laptop-là, est-ce qu'il est très performant pour la musique aussi ou c'est plus vers les jeux vidéo? C'est surtout vers les jeux vidéo, mais aussi parce qu'il y a 12 GB de RAM, donc les programmes qui demandent beaucoup de RAM, c'est bon pour ça. Ouais. Donc, mes programmes de musique, c'est sûr, c'est un avantage d'avoir 12 GB de RAM parce que c'est bon. Oui, puis on remarque déjà à l'écran que l'écran est un peu plus gros que la moyenne des écrans d'ordinateur, des laptops. C'est quand même un laptop qui est assez... Oui, c'est sûr. J'ai un grand écran, donc c'est ça, c'est un des avantages aussi. Donc, si tu veux écouter du Netflix ou n'importe quoi comme ça, c'est un écran de 17 pouces, 17.3. OK, ouais. Donc, super bel écran. Puis, c'est quand même un gros laptop en termes de pesanteur. Est-ce qu'il est pesant, dur à porter? C'est sûr, oui. Ouais. C'est un problème. Là, quand je l'emmène dans mon sac à dos, c'est sûr, ça vient lourd. Donc, c'est assez lourd comme laptop. OK. Bien, tu mentionnes qu'il est bon pour les jeux vidéo. Quel jeu, vite fait, quel jeu que tu joues? Je joue souvent à des jeux qui sur l'Internet, des MMO. Là, c'est des jeux que tu joues avec des personnes online sur l'Internet. Bien, malheureusement, Sébastien, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui à Qu'est-ce que c'est ça? Mais merci d'avoir été avec nous. Et revenez-nous la semaine prochaine alors que nous allons rencontrer qu'est-ce que c'est qu'ils font les gens. Bonsoir.
Bonjour et bienvenue à l'émission « Qu'est-ce que c'est ça? » Donc, une émission où l'on démonte un objet. Donc, Milena Lambert est ici avec nous pour nous parler de son aspirateur, son mini-aspirateur en forme de champignon. Ça va bien, Milena? Oui, oui, ça va bien. Et toi? Ça va super bien. Donc, explique-nous qu'est-ce que c'est ça. Dans le fond, c'est un ramasse-miette électrique que ça s'appelle, puis ça sert, c'est comme dans le fond une petite balayeuse portative où que on ramasse les graines sur les nappes, sur les divans, puis tu sais, au lieu de sortir la grosse balayeuse, là, on a la petite balayeuse qui est très pratique. OK. Donc, est-ce que tu peux nous montrer comment ça fonctionne? Oui, je vais vous montrer ça. Dans le fond, on a juste à tasser le bouton « on », puis regarde, comme vous pouvez voir, le bruit n'est pas trop agressant. C'est vraiment parfait. Puis, on aspire. C'est sûr que quand ça rentre, là, ça fait un petit bruit, on entend les graines rentrer. Mais ça aspire très bien, comme vous pouvez voir. Ah oui, je vois ça. Ouais. Puis, dans le fond, c'est avec batterie. Donc, on a juste à changer les batteries ou recharger les batteries. C'est des 2A, les batteries, donc il n'y a aucun problème là-dessus. OK. Donc, où est-ce que tu retrouves cet engin-là? On peut le retrouver en magasin chez Walmart ou des magasins comme ça, Corvette, Rossi. Ou sinon, vous pouvez aller le chercher en ligne. Puis, c'est pas plus cher que 8 $. C'est juste 8 $? Oui, c'est juste 8 $. Puis, vous avez d'autres formes. C'est comme là, ici, j'ai un petit champignon, mais il y a d'autres modèles. Il y a des pommes. D'autres couleurs, peut-être? Oui, d'autres couleurs aussi. Tout uni. Il y en a qui sont écrits dessus « J'aime faire la cuisine » ou des choses comme ça. Puis, ça peut s'agencer avec votre mobilier des fois. Puis, c'est très intéressant puis c'est très drôle. OK. Est-ce que tu nous recommandes cet engin-là? Oui, je vous recommande parce que, dans le fond, c'est ça, c'est très pratique. Au lieu, dans le fond, exemple, quand vous mangez à la table, puis on fait toujours des graines, on se l'avoue. Au lieu de tout enlever ce qu'il y a sur la table, des fois, on a des petites décorations, bien, on a juste à passer le petit ramasse-miettes électrique au lieu de secouer la nappe dehors. OK. Donc, c'est très pratique. Oui, c'est pratique. Donc, maintenant, est-ce que tu peux nous dire les inconvénients de cet objet-là? C'est sûr que c'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité, donc c'est pas tout le monde qui en aura besoin. Oui, c'est ça. C'est pas une nécessité. C'est pas tout le monde qui vont trouver ça qui vont trouver ça utile. Mais c'est toujours intéressant, par contre, à l'avoir. C'est sûr que c'est pas une petite chandelle. Tu sais, comme je disais que ça peut s'agencer au mobilier, c'est sûr que c'est pas une petite chandelle. OK, c'est ça. C'est un aspirateur, là. OK. Je vois qu'il y a 2 fans sur les côtés. 4 fans en tout. Donc, oui. C'est vraiment puissant, d'abord. C'est fait à batterie, fait que c'est quand même puissant, mais je veux pas trop mettre ça trop « wow », là. Je vous mentirai pas, là. C'est un petit aspirateur électrique, okay. Là. Donc, c'est quoi les avantages? Les avantages, c'est que ça économise du temps dans un sens. C'est pas bruyant, c'est pas coûteux. Puis, juste 7 $, c'est bon. Oui, c'est bien pratique pour ça. Puis c'est ça, dans le fond, c'est pas mal ça pour les avantages. OK. Donc, c'est quoi à l'intérieur? Est-ce que tu connais la mécanique ou non? Bien, dans le fond, je peux vous l'ouvrir. Okay. Ici, on retrouve les batteries. Ou sinon, ici, on peut ouvrir ici, puis dans le fond, c'est ça. Là, les graines, ils se ramassent ici. OK, je comprends. Puis, il faut l'acheter une fois de temps en temps. Comme là, j'ai ramassé les graines, on les voit ici. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de « Que c'est ça? ». J'espère que vous revenez. Donc, Nicolas Breton va nous parler de son Nexus 5. À la semaine prochaine.
Bonjour et bienvenue à l'émission Qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir... Nous avons l'immense honneur d'accueillir notre chroniqueur Nicolas Breton qui va nous parler de sa technologie. Bonjour Nicolas. Bonjour Mélina, ça va bien toi? Mais oui, ça va bien. Donc, peux-tu nous parler... Qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je viens vous présenter mon nouveau téléphone que j'ai acheté en septembre, le Nexus 5. Ah oui? Puis qui a développé cet appareil-là? C'est Google et LG qui ont développé cet appareil-là. Ils voulaient créer un téléphone intelligent qui ne ressemble pas aux autres, dans le fond. Donc, ils ont créé celui-là avec d'autres Nexus, donc le Nexus 4, Nexus 6. Aussi, dans ce temps-là, quand il est sorti, c'était le premier téléphone à sortir avec la nouvelle version dans ce temps-là, qui était la 4.4, qui était appelée aussi la version KitKat. OK. Puis pourquoi c'était appelé la version KitKat? En fait, cette tradition-là, ça vient d'un partenariat avec Nestlé. Google appelait toutes leurs versions avec des noms de chocolat ou friandises de Nestlé, dont la nouvelle version qui vient de sortir, la version 5.0, qui s'appelle la version Lollipop, puis l'autre d'avant qui s'appelait la version Jelly Bean. Oh wow, ça a l'air appétissant, tout ça, ouais. C'est intéressant. Puis pour revenir à notre sujet, quelles sont les spécifications de ce téléphone-là? Ce téléphone-là, il y a un écran de 5 pouces, un écran Full HD 1080p, donc Full HD. Aussi, il y a deux caméras. Il y a une caméra frontale de 5 mégapixels avec une capacité d'enregistrement vidéo de 720p. Wow! Puis la caméra arrière, ici, capacité d'enregistrement à 1080 pixels, donc HD, ça filme super bien. Sinon, il y a un processeur double cœur. C'est un super bon téléphone, il va super bien. OK, mais intéressant. Puis pourquoi vous aimez ce téléphone-là? Je l'aime parce qu'il est pratique. Il y a un grand écran, mais il n'est pas trop gros. Donc, il se traîne super bien. On voit bien aussi parce que c'est un écran HD. Puis aussi, il est rapide. Contrairement à mon ancien téléphone que j'ouvrais Internet puis il fermait tout seul quasiment. Lui, je peux ouvrir Facebook, Internet, YouTube, toutes ces affaires-là. Puis il va pas... Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Sauf que là, depuis la nouvelle mise à jour... Elle vient de sortir, c'est encore une version bêta. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits bugs, mais ils vont le corriger bientôt. OK. Ah, OK, bon. Bien, tant mieux s'ils vont le corriger, hein, ouais, justement. Oui, j'espère. Parfait. Puis, est-ce que vous recommandez ce téléphone-là à n'importe qui? Bien, je le recommande à tout le monde qui veut avoir un bon téléphone puis qui ne veulent pas investir 600 $ dans un téléphone. Contrairement au iPhone 6, le nouveau qui est à peu près 750 $. Donc, c'est super cher. Puis, bonne performance aussi, mais lui aussi, il a un bon rapport qualité-prix. Il est 300 $ le prix de base. Okay. Donc, si on l'achète juste comme ça, donc c'est pas si peu pour un téléphone intelligent de cette qualité-là. Non, effectivement. Comme vous avez dit, comparaison avec l'iPhone, là, il y a une grande différence de prix. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ou sinon avec ce téléphone-là? Je peux naviguer sur Internet. Il y a tout plein de jeux aussi. Illimité sur Internet? Si vous avez le Wi-Fi, sinon tu peux avoir le nouveau réseau LTE qui est plus rapide que l'ancien 3G. Ça vient avec le forfait. Aussi, il y a Google Play Store avec tous les jeux. C'est comme App Store dans le fond. Il y a plein d'applications. C'est presque autant que l'App Store. Bien, merci beaucoup, Nicolas. C'est très intéressant. Puis la semaine prochaine, c'est tout pour aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, nous recevons Philippe Turgeon qui va nous parler de son iPad mini. Donc, manquez pas ça. Merci.
Bonjour et bienvenue à Que c'est ça? Aujourd'hui avec nous, nous avons l'immense honneur d'accueillir M. Philippe Turgeon qui va nous présenter un objet assez particulier. Donc bonjour Philippe, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous? Ben oui, ça va super bien. Ben, que c'est ça Phil? Bon, ben écoutez ça, comme vous le savez tous, c'est un iPad. Donc Apple en a créé plusieurs, donc il a créé l'iPad mini, l'iPad 2, l'iPad Air. Et ce que je vous présente aujourd'hui, eh bien c'est l'iPad mini que voici. C'est la première génération de l'iPad mini qui a été faite par la compagnie Foxconn qui travaille en coopération avec Apple, justement. OK. Puis, c'est quoi ses utilités à cet appareil-là? Bien, écoutez, on peut faire énormément de choses avec un iPad, c'est pas nouveau. Donc, la principale utilité, c'est un appareil qui permet de faire des choses qu'on pourrait faire à l'ordinateur, mais plus rapidement. Comme je peux vous donner un exemple, les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, YouTube, tout ça. On peut y accéder en téléchargeant l'application de chaque réseau social et pouvoir l'utiliser plus facilement et plus rapidement. Okay. Donc, c'est une grande utilité. Aussi, ce qu'il y a avec l'iPad qui est intéressant, les applications qui nous permettent de créer plein de choses. Donc, on peut créer, supposons, de la musique. Une application qui s'appelle GarageBand qui nous permet de créer avec comme des guitares, des drums, puis faire une musique. Même si on n'est pas des spécialistes de la musique, on peut créer des très beaux résultats aussi. OK. Puis, de quoi c'est composé plus précisément? C'est quoi ses spécifications? Bien, écoutez, c'est fait de 20 cm de hauteur et 11,4 cm de largeur. Okay. C'est vraiment pas épais, donc on peut mettre ça dans une poche très facilement, ça se range très bien, c'est très… Une grosse poche. Oui, c'est ça, en plein ça. Et on peut mettre… non, c'est ça, les caméras. Ce qui est intéressant, on a des bonnes caméras, donc avant et arrière. La caméra avant est de 1,2 mégapixels. Donc, certains vont dire que c'est minime, c'est pas beaucoup, mais reste que ça prend des très belles photos parce qu'on peut modifier les photos, les mettre plus claires, jouer avec les contrastes et tout. Et la caméra arrière est 5 mégapixels, tant qu'à elle. Maintenant, pour ce qui est de l'intérieur de l'appareil, c'est un processeur A5, donc de Apple, une puce A5, ce qui permet comme des très beaux graphiques sur l'écran de l'appareil et une rapidité qui est quand même très bonne. Aujourd'hui, Apple sont rendus à A8 et M8 dans le même appareil. Donc, c'est un peu plus arriéré, okay. Mais ça marche tout de même très, très bien. Et je l'utilise à tous les jours et je ne pourrais pas m'en passer. OK. Puis là, je vous entends parler, là, ça a l'air super, mais est-ce que c'est dispendieux? Pas tant que ça. Rendu aujourd'hui, là, c'est, on parle de 250 $ pour celui-ci que j'ai en ce moment. OK. Celui-ci, c'est un 16 gigs. Donc, il y a des 32 gigs, il y a des 64 gigs, il y a des même jusqu'à 128 gigs. Mais je l'ai acheté, moi, la journée qui est sortie, donc il y a 2-3 ans environ. Et je l'ai acheté au prix de 400 $ environ. OK, donc c'est bon quand même. Oui, c'est bon quand même. Mais aujourd'hui, c'est ça, le prix a diminué à cause, vous savez, les prix diminuent tout le temps. Ouais. Donc, c'est rendu à 249 $ que vous pouvez procurer ce magnifique iPad. Si vous voulez, par exemple, plus d'espace ou plus de grandeur ou quoi que ce soit, il y a aussi l'iPad 2 qui est disponible, ou l'iPad Air, ou d'autres choses comme ça qui sont... OK. Bon, bien, ça a l'air super intéressant. Je vais peut-être aller m'en acheter un. Oui, je vous le conseille fortement. Oui, mais sinon, est-ce qu'il y a une différence entre ça et les autres iPads? Oui, bien, comme je vous dis, c'est plus une question de grandeur. Donc, l'iPad mini, vous faites beaucoup plus petit et... Donc c'est vraiment plus, on peut plus le traîner. Ben c'est ça, c'est plus bon, ben, merci beaucoup Philippe, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Restez des notes parce qu'après la pause, nous accueillons M. Philippe Cacanin qui va nous présenter son Xbox 360 avec la Kinect. Donc restez des notes, c'est à ne pas manquer, passez une belle journée.
Bonjour à tous et bienvenue à « Cassez ça », une émission où on présente tout plein d'objets différents les uns que les autres. Et mon nom est Philippe Surgeon et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir avec moi Philippe Cacana, un de mes grands amis, qui va venir nous parler d'une console de jeu qui est la Xbox 360. Donc, Philippe, eh bien, bonjour. Bonjour à toi aussi, Philippe. Oui, ça va bien? Oui, ça va très bien. Excellent. Donc, pour les gens à la maison, là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça consiste en quoi, la Xbox, en général? Le Xbox, c'est vraiment une console de jeu. De la même sorte que PlayStation 4, PlayStation 3, 2-in-1, et aussi le Wii et le Nintendo, c'est comme une grande famille et le Xbox fait partie de... Okay. Est-ce que c'est meilleur qu'une autre ou tu ne sais pas encore? En classement des meilleures consoles dans le monde, PlayStation 4 arrive en grand deuxième et Xbox est tout derrière elle, okay. Deuxième. Est-ce que tu sais s'il y a des choses qui sont dans Xbox mais qui ne seraient pas dans la PlayStation? Qu'est-ce qui différencie dans le fond? Vraiment, les jeux de nos jours sont plus adaptés à être avec la PlayStation 4 okay. Et le Xbox. Okay, so, si tu avais Grand Theft Auto, tu pourrais trouver ça sur PlayStation 4 et Xbox 360. OK. Mais pas vraiment. OK. Et je suppose qu'il y a des jeux qui vont dans ça, évidemment. Oui. Et est-ce que tu as une idée du prix des jeux que ça pourrait coûter, par exemple une nouveauté là, pour une console comme ça? Une nouveauté arrive dans le marché très, très vite. Alors, ça coûte environ dans les 60$ ou plus. OK. On peut avoir des jeux, je suppose, moins chers que ça aussi. Oui, ouais. Après une semaine. Et là, je vois que tu as quelque chose qui s'en vient un petit peu avec la console. Tu as comme une espèce de chose. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Oui. Ici, je vous présente le Kinect, la nouvelle invention de Xbox 360. Okay. Le fond de la Kinect, c'est que, comme vous voyez, vous n'avez pas besoin de manette. Okay. La manette, c'est vous. Le truc avec ceci, c'est que le Kinect capte votre chaleur et vous enregistre dans les données et vous devenez la manette. So, vous n'avez plus besoin de ça et vous pouvez le jeter en arrière. Je ne vais pas le jeter parce que ce n'est pas moi. OK, c'est bon. Et on parle de quel prix environ? C'est pour un kit complet, c'est pour que moi, je voudrais l'acheter avec la Kinect et le gros kit. Est-ce qu'on le Kinect, le Xbox seul avec les manettes, vient environ à 150$. Okay. Et le Kinect arrive dans les environs d'une vingtaine d'heures de plus. OK. Et est-ce qu'on a des différentes capacités d'un Xbox One? Je sais que PlayStation, on a des 16 gigs. Je sais qu'on peut avoir des 250 gigs. Est-ce que tu connais un peu les capacités des... La capacité, c'est que vous pouvez... C'est 7 ceci et 16 gigabytes. OK. Vous pouvez, à l'aide d'une clé USB, ajouter des mégapixels comme sauvegarder des jeux dans votre clé USB. OK, oui. Le rebrancher dessus pour que vous puissiez jouer dedans. OK. Et une autre question comme ça, là, côté graphique, est-ce que tu sais si les graphiques sont meilleurs sur un Xbox que sur un PlayStation, par exemple? Les graphiques, ça dépend vraiment des jeux, je pense, à mon avis. Le Xbox fournit seulement la capacité de le voir à l'écran et de pouvoir y jouer. OK. Le truc que je voudrais parler aussi, c'est que le Xbox, ce nouveau Xbox a une affinité. On sait qu'on est en 2014 et qu'on ne veut plus vraiment avoir à marcher et puis, tu sais, cliquer sur le bouton. Ah ouais, je comprends très bien. Alors, tout ce que vous faites, c'est que au lieu de cliquer... OK. Excuse-moi, Philippe, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Malheureusement, on n'a plus de temps, mais ça me fait plaisir de t'accueillir avec nous. Et j'espère que vous, à la maison, vous avez beaucoup apprécié la présentation d'aujourd'hui. J'espère vous voir la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne soirée à la maison. Et je vous aime beaucoup. Au revoir.
Bienvenue à Que c'est ça. Si vous voyez un skateboard dans la rue et vous vous disiez Que c'est ça, vous êtes dans la bonne émission. Je suis votre animateur Philippe Cacana et je suis avec Mathieu Daos qui nous montrera c'est quoi un skateboard. Alors Mathieu, comment ça va? Ça va très bien et toi? Tu te sens-tu en forme pour nous répondre à nos questions? Oui, je suis très en forme. Top oui. Shape. Alors explique-nous, que c'est un skateboard? Un skateboard, premièrement, c'est une plateforme avec deux essos, avec quatre roues en dessous. Donc, vous pouvez vous promener, faire des trucs, et un skateboard est plutôt pour faire des trucs, dans le fond. OK. Et à quoi ça peut servir, cet objet? Ça peut servir à plusieurs choses. Écoute, Philippo, comme je t'ai dit tantôt, ça sert à te transporter de ton point A à ton point B. Premièrement, pour moi, c'est mon moyen de transport en ce moment, c'est mon véhicule. Mais aussi, ça te sert à faire des trucs, c'est aussi un sport extrême de nos jours. Et ça sert à plusieurs autres choses, mais il y a des longboards et des skateboards. Donc, il y a une certaine différence entre les deux. Et ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est un peu à quoi ça sert. Maintenant, j'imagine que c'est vraiment connu par tout le monde, excepté moi peut-être. Mais peux-tu nous dire à quelle année est-ce que c'est devenu populaire? Ben, c'est devenu populaire un peu dans les années 50. On peut y voir un clin d'œil dans le film Back to the Future, là où le héros casse un gadget et l'utilise comme planche. Donc, c'est un peu après ces années-là qu'ils ont commencé à voir de la skateboard. C'est plus en Europe et en France. Ils ont commencé, c'est là qu'il y a eu les premières compétitions. Mais c'est vraiment dans les années 72 qu'il y a deux Américains qui ont vraiment médiatisé le sport et médiatisé la skateboard, les dessins, les logos et toutes les sortes de skateboard, les formes. Et vraiment la skateboard moderne d'aujourd'hui. Parce qu'avant, elles étaient plus grosses et plus petites. Les roues aussi étaient plus petites. Donc, c'est ça. C'est des années 70 que je dirais que... des années 70, ça a pris un an et ils ont vendu 16 millions de copies. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu attirer les gens. 16 millions, ça c'est beaucoup alors. Hein? Oui, y a-t-il une catégorie de skateboard dessus? Oui, il y a plusieurs catégories de skateboard. Il y a les X Games présentement. Il y a le Street League. Donc, plusieurs autres compétitions et plusieurs skaters vivent de leur métier maintenant, qui est faire du skateboard pour certaines compagnies, et des commerciales et d'autres compagnies de vêtements de skateboard ou des compagnies de souliers, même des compagnies de skateboard. Tu sais quoi, je voudrais, je me promène des fois dans la rue et je vois une personne sur un skateboard et puis être sur une plus grande skateboard. Est-ce qu'il y a une différence entre ça? Oui, il y a, ça le dit dans le mot, longboard, donc nécessairement la board est plus grande. Okay. J'en ai 6 à la maison. J'ai 4 longboards et 2 skateboards. Pour te dire la différence, je me promène beaucoup plus avec mes longboards. C'est beaucoup plus smooth, comme on dit. C'est plus pour faire du free-for-all. C'est plus pour toi-même. C'est moins pour faire des trucs, moins d'aller dans des parcs, des skateparks. C'est plus pour aller à ton point A, de ton point B. Tu comprends? Mais un skateboard, c'est beaucoup plus pour... ceux qui sont les plus mordus du sport. Ah, et peux-tu nous dire, y a-t-il des personnes qui font du skateboard qui sont vraiment reconnues dans le monde? Ben, on peut penser à Tony Hawk, que lui, beaucoup connais. Tout le monde connaît, et Nigel Houston, il était pro skater à 8 ans. Oh, wow, 8 ans. Donc, ouais, c'est vraiment un exploit pour moi, je trouve. Ouais. Et toi, question de 10 secondes, est-ce que toi, tu aimes faire du skateboard, toi? Moi, j'adore faire du skateboard. Je pense que je vais faire du skateboard toute ma vie et je vais même influencer mes enfants à faire du skateboard. Merci beaucoup. Alors, c'est conclu notre émission. Merci d'être venu. Et je vous tiens à vous rendre à la maison, de revenir la semaine prochaine pour voir notre invité Laurie qui nous montrera c'est quoi une tasse de Tassimo. À la prochaine. We'll be right back.
Je suis votre animateur, Mathieu Daou, et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurie Gilbert. Bonjour, Laurie. Allô. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. Alors, Laurie, qu'est-ce que c'est ça? À quoi sert cette tasse-là? Eh bien, ça, c'est la tasse Timolino de Davidity. C'est une très, très, très belle tasse de transport. Elle est extrêmement simple et efficace. Donc, oui, cette tasse-là, elle sert et pour le café ou toutes sortes de liquides. Autant froid, ça le garde froid, ça ne le met pas à la température de la pièce, que chaud, il reste chaud vraiment longtemps. Et, mais surtout, c'est une tasse faite pour le thé. Donc, c'est une tasse de transport, mais parfaite. Wow! Alors, pourquoi cette tasse-là? Qu'est-ce qui en fait vraiment un bon achat? Premièrement, elle est petite. Elle est légère, donc tu sais, elle se met facilement dans une sacoche. Elle est très durable, tu sais, elle est dure, là. Tu l'échappes par terre, tu n'as pas peur de la casser. Ouais. Mais surtout, elle a vraiment bien été conçue et intelligemment parce qu'elle se défait en plusieurs morceaux. Même là, on pense toutes les avoir vues. Ben non, comme ça. Donc, allons-y en ordre. Cette partie-là est pour le thé. Donc, vu que c'est une tasse pour le thé, mais ça s'enlève si on ne veut pas de thé. On infuse. Ensuite, on reclippe à la deuxième partie qui nous sert à boire. Donc, c'est fait de plusieurs trous différents, ce qui fait que ça fait une belle aération quand on boit. Ça ne nous coule pas partout dessus. C'est une boisson très douce à boire. Ensuite, il y a le petit capuchon. Il y a un petit capot spécial que si on enlève, ça reste au sec. Donc, même s'il y a de l'eau qui va dessus, on peut mettre un refill de thé dedans. Donc, ça reste au sec. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Est-ce qu'elle vient en plusieurs autres formats, autres couleurs? Non, elle vient pas en d'autres formats, malheureusement. Mais regarde, on peut se faire des refills, fait que elle a la taille parfaite. Mais elle vient en d'autres couleurs, 8 autres couleurs, dont le blanc, le noir, le gris, le bleu, le rouge, le turquoise. Toutes les couleurs qu'on a besoin. Là, toutes les couleurs que tu pourrais imaginer. Ouais, ouais. Et si je voudrais m'en procurer une, c'est où est-ce que je vais? Dans les magasins de Davidity, donc c'est sûr que ça ne se retrouve pas partout, mais Davidity est rendu assez populaire de nos jours. Ça fait déjà plus d'un an qu'elle est sortie en marché, donc on la trouve assurément, car c'est un best-seller. Je t'écoute parler, là, c'est bien beau tout ça, mais ça vaut-tu cher, cette petite tasse-là? Ben, ça dépend. T'sais, est-ce que les gens sont prêts à payer 30$ pour une tasse? Moi, je dis que oui, parce qu'elle est faite en acier inoxydable, donc elle ne va pas rouiller. Elle est vraiment durable, justement. Donc, si tu l'achètes, puis tu peux l'avoir pour une bonne quinzaine d'années, hein, ouais. Si tu n'en perds pas. Si tu n'en perds pas. Oui. Pourquoi est-elle la meilleure, selon toi? Pourquoi cette tasse-là et pas une autre? Je trouve que c'est la meilleure tasse, justement, parce que souvent, avec le genre de tasse de transport que nous avons, le liquide se refroidit rapidement. Tu arrives pour le boire, puis il est déjà froid. T'sais, il reste pas chaud, tandis que cette tasse-là, il faut quasiment que tu réduises un peu la chaleur de ton liquide parce que sinon, il faut que tu attendes comme une heure avant de le boire. Tellement il reste chaud pendant au moins 6 heures de temps. Donc, ouais, c'est vraiment ça. En plus, que on s'entend, là, elle est super simple, elle est petite, elle se prend bien dans la main, mais elle est belle. C'est un coup de cœur, coup de cœur! Alors, Laurie, est-ce que tu en as... Ben, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à vous à la maison. Merci à toute l'équipe. Ceci est conclu la dernière pour nos émissions démonstration. Revenez-nous l'année prochaine pour plusieurs autres belles émissions. Bye, guys.